croix où tu mourras. Jésus, attire-moi, attire-moi plus près, Seigneur béni, mon Dieu, de ton précieux. Alléluia. Oui, à Jésus la gloire.
pure, alléluia. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Oui, merci beaucoup. Pour ce soir, c'est le pasteur Michel qui va apporter la parole. Et à présent, on va nous jouer la douce mélodie « Crois seulement » pendant que le pasteur approche. Sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. Amen. Moi, j'ai lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 1
verset 5 jusqu'au verset 13. Mstari wa saba mpaka kumi na tatu. La lumière luit dans les ténèbres. Noru inanga katika giza. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Na giza haikumpokea. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Kulikuwa mtu aliyetumwa na Mungu aliitwa Yohana. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Akakuja kushuhudia, alikuja kushuhudia, kushuhudia shuhudia noru. Afin que tous crient en lui. Kusudi watu wote waamini ndani yake. Il n'était pas la lumière. Yeye hakukuwa noru. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Lakini alikuja kushuhudia noru. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, na ile nuru ilikuwa ya kweli iliyokuja dunia, éclaire tout homme. Kusudi angazie kila mtu. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Ilikuwa katika dunia na dunia iliumbiwa kupitia ile nuru. Et le monde l'a point connu. Lakini noru dunia haikutambua. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alikuja kwa walio wake lakini walio wake hawakumpokea. Mais à cause de ceux qui l'ont reçu, lakini kwa wale waliompokea, ainsi qu'ils croient en lui, na wale waliamini ndani yake, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Akawapatia uwezo kukua wana wa Mungu. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair. Wale hawazaliwe tu kwa damu lakini kwa mapendo wala kwa mapendo ya mwili. Ni de la volonté de l'homme. Ni kwa mapenzi ya mtu. Mais de Dieu. Lakini ya Mungu. Prions. Tuombe. Éternel bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec nos têtes inclinées, Seigneur, nous voulons te montrer que nous sommes des mortels, des hommes faillibles. Nous voulons nous abandonner entre tes saintes mains, Seigneur, alors que nous venons de lire des Écritures, comme tout celui qui a été à l'école. Mais pour l'interpréter, cette autorité est donnée à une seule personne, le Saint-Esprit, l'auteur de la parole. Viens nous enseigner ce soir, Seigneur, comme il est écrit, dans les derniers jours, personne ne dira à son frère de connaître Dieu, mais toi-même, tu vas parler à ton peuple. Bénis la présence de chacun alors que nous avons abandonné nos occupations. Viens, ô Père, élève-nous tous dans les lieux célestes. Pardonne nos péchés volontaires et involontaires. Là où nous sommes faibles, rends-nous forts. Là où les cœurs sont brisés, ô, console nos cœurs brisés, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, croyant que tu nous parleras. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et tous nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Applaudissez la Sainte Bible. Basi mshangilie. Encore une fois, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mara moja tena nawasalimia mu jina la Yesu Kristo. Je voudrais tirer ma petite prédication de ce soir. Ningependa kuleta mahubiri yangu jioni ya leo. Là dans le livre de Zacharie au chapitre 14. Pale katika kitabu cha Zacharie 14. Vers le soir, la lumière paraîtra. Wakati wa jioni, noru itatokea. Et très souvent, quand nous regardons dans la Bible, na mara mingi wakati unaangalia katika Biblia, Dieu agit très souvent au temps du soir. Mungu anatenda mara mingi wakati wa jioni. Même au jardin d'Eden, lorsqu'il descendait pour apporter la parole à son église. Hata wakati wa Edeni, wakati kwa kishua kusudi alete neno kanisa yake. Une petite église de deux personnes. Ile kanisa ndogo ya watu wawili. C'était Adam et Eve. Alikuwa Adamu na Eva. La Bible et le prophète nous disent que il descendait toujours au temps du soir. Biblia na nabii anasema kama Mungu alikuwa kishuka wakati wa jioni. Et Élie le Tishbite, lorsqu'il était en confrontation avec les 400 prophètes de Baal. Na Elia mutishibi wakati alikuwa katika mapinganizi na wale wanabii wa Baali. Il a donné d'abord l'occasion à 400 prophètes. Akapatia kwa bahati ya kwanza kwa wale manabii 400. De pouvoir invoquer leur Dieu. Kusudi waite Mungu wabo. C'était du matin jusqu'aux après-midi. Ilikuwa asubuhi mpaka kisha mchana. Il n'y avait pas de réponse. Hakukuwa jibu kabisa. Mais quand Eli a rétabli l'autel. Lakini wakati Elia alirudisha mazabahu vizuri. Il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Na akafanya kabisa kabisa vile Mungu alimwambia afanye. La Bible nous dit au temps du soir, alors que le sacrifice d'Eli a été consumé. Wakati wa jioni njo zabihu ya Elia ilichamewa. Nous remontons dans l'histoire de Eliezer. Na tukirudi mu historia ya Eliezeri. Lorsqu'il est allé chercher une épouse pour Isaac. Wakati alienda kutafutia Isaac bibi, la Bible nous dit Rebecca venait chercher de l'eau, c'était au temps du soir. Biblia nasema Rebecca alikuja kutafuta maji wakati wa jioni. Et Jésus lui-même, na Yesu mwenyewe,
La dernière communion qu'il a eue avec ses disciples. La Bible dit, Jésus rompit le pain au temps du soir. Et quand il fut ressuscité des morts, il a marché avec les deux disciples toute la journée. Frère Branham dit, il leur enseignait la parole pendant 6 heures. C'est au temps du soir qu'il se révéla que c'était lui le ressuscité. Et le soir dont nous voulons parler ici, ce n'est pas un soir d'une journée de 24 heures. Le soir dont nous voulons parler ici, vers le soir, la lumière paraîtra. Wakati wa jioni, nuru itatokea. Si nous voyons le mot vers, c'est le complément circonstanciel de lieu. Tukiona ile msemo wakati ni ama saa fasi ni ile inaonyesha wakati fasi fulani. Ce n'est pas le temps de 24 heures. Haiko wakati ya saa 24 hapana. Zacharie dit vers le soir. Zacharie anasema mbele kule kuendea jioni, une lumière apparaîtra. Nuru moja itatokea. Est-ce que nous avons deux lumières? Eti tuna nuru mbili? Parce que nous voyons dans la nature, il y a un seul soleil. Katika asili tuko na jua moja. Qui se lève le matin à l'est. Inainuka kaskazini asubuhi. Qui se couche le soir à l'ouest. Na kaskazini mashirika inalala kule. C'est de cela que je voudrais insister. Na yenye nipenda nikazie pale. Frère Branham dit la même lumière qui parit à l'est. Na nabii anasema ile nuru moja moja toka asubuhi. Et je vous informe que la lumière ici c'est une personne. Na kuelezea tena jioni ya leo kama hii nuru wanasema hapa ni mtu. Je ne parle pas de la lumière du soleil. Haiko nuru ya jua pana. De la même manière qu'une lumière apparaît à l'est. Akasema kama nuru itatokea magharibi. Du côté du soleil le vent. Kule kwa jua na mukaka. De la même manière, na vile vile, une lumière va apparaître à l'ouest. Nuru itatokea vile vile kaskazini. Cela ne veut pas dire que nous avons deux soleils. Haila iseme kama tuko na jua mbili hapana. Cela ne veut pas dire que nous avons deux évangiles. Ama ila iseme kuna injili mbili hapana. Cela ne veut pas dire que nous avons deux dieux. Ila iseme kama tuko na wamungu wawili hapana. Cela ne veut pas dire que nous avons deux créateurs. Ila iseme kama tuko na waumbaji wawili hapana. Un seul créateur. Waumbaji ni moja. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jina yake ni Bwana Yesu Kristo. Je parle de Jésus-Christ le Père. Nasema juu Yesu Kristo Baba. Ici je parle de Jésus-Christ le Père. Hapa niko nasema juu Yesu Kristo Baba. Le grand esprit qui marchait au-dessus de l'eau avant la création du monde. Ile roho kubwa ilikuwa kiyumba yumba juu ya maji mbele ya dunia ikuumbiwa. Il s'était fait chair à l'est là-bas. Kula asubuhi ikavaa mwili. Est-ce que vous me suivez? Mwanifuata vizuri. Est-ce que vous me suivez? Mwanifuata. Ce Jésus-là. Ule Yesu. Qui marchait sur les terres de Galilée. Ako kitembea ku udongo wa Galilaya. C'était Dieu dans la chair, dans la forme d'un homme appelé Jésus-Christ. Alikuwa Mungu mumutu aliyeitwa Yesu Kristo. Il était la lumière à cette époque-là. Alikuwa nuru kwa ile wakati ile. Avec toute la plénitude de la divinité en lui. Alikuwa utimilifu wa Mungu wote. Avec toute la plénitude de la parole en lui. Na utimilifu wote wa neno. Avec toute la plénitude de l'amour en lui. Na utele wote wa mapendo. Avec toute la plénitude de la révélation en lui. Na utele wote wa ufunuo. Mais ce soleil-là ne restera pas toujours à l'est. Ça doit faire une course. Ça doit se déplacer. Le soleil doit se coucher. Et lorsque le soleil arrive du côté du soleil couchant, ça donne encore une lumière. La lumière est encore à Paris. Pour parler clairement, kwa kusema wazi, comme il était cher à l'est là-bas, du côté du soleil levant, kule kwe jua iko na lamuka, il doit encore devenir cher du côté du soleil couchant. Vile vile anapasha kuwa mwili wa ngambo ya kulalia. Laisse-moi parler clairement. Acha niseme wazi wazi. Vers le soir, la lumière paraîtra. Ngambo magharibi jua itaonekana. Du côté où le soleil se couche, ni kusema kule tu kwa jua iko na lala, un homme doit aussi apparaître. Mtu ataonekana kule. Oh, je cherche un amen là-bas. Niko natafuta amina. Je cherche un amen vigoureux là-bas. Niko natafuta amina ya nguvu sana. Donc le même soleil.
Il est jour moja moja. Qui s'est levé le matin. Il a moka asubuhi. Qui a commencé sa course. Na ikaanza safari yake. Et il est arrivé à midi. Na ikafikia wakati wa mchana. Pas un autre soleil à midi. Hakuna iko jua ingine. C'est le même soleil du matin. Jua moja moja ya asubuhi. Il continue sa course. Inaendelea mbio yake. Pour aller se coucher à l'ouest. Kusudi ende kulala au magharibi. Yes, ça émet une grande lumière. Na inaletoa nuru kubwa. Comme au commencement c'était la Dieu dans la chair. Vile mwanzoni kulikuwa Mungu ndani ya mwili. Au temps de la fin encore une fois Dieu devenir doit devenir un homme. Wakati wa mwisho vile vile Mungu anapaswa kuwa mtu. Il doit habiter dans un homme. Anapaswa kuishi ndani ya mtu. Dans la prédication il prend soin de vous. Katika mahubiri anabeba tunzo yako. Prêcher le 1er mars 1960. Ilihubiriwa tarehe ya kwanza mwezi wa 3 mwaka 16. Je commence au verset 11 pour m'arrêter au verset 16. Kifungo 11 mpaka kifungo 16. Frère Branham dit, ndipo maana sema hivi. Et souvenez-vous. Na mukumbuke. Le prophète, la Bible dit. Biblia nasema. Le prophète dit qu'il y aurait un jour qui ne serait ni jour ni nuit. Nabii anasema kutakuwa siku itakuwa na mchana ama usiku. Ce serait plutôt un jour brumeux. Lakini itakuwa siku isiyotambulika vizuri. Mais vers le soir. Lakini ngambo ya jioni. La lumière paraîtra. Jua ama mwezi mangasi kuonekana. Au temps du soir. Wakati wa jioni. Eh bien, la civilisation a voyagé de l'est à l'ouest. Vizuri, kisirimu ilitoka asubuhi kwenda magharibi. Et géographiquement. Na katika kijiografia. Quand le soleil se lève. Wakati jua inaamka. Il se lève à l'est. Inaamka asubuhi. Il voyage vers l'ouest. Inasafiri kwenda magharibi. Il se couche à l'ouest. Na inagulala kule. Ainsi. Sasa. Voyant ce que le fils a fait. Quand il a apporté la lumière de l'évangile. Munaona kisi mwana alifanya kata leta nuru ya injili. Au commencement. Hapa mwanzoni. Il y a une Pentecôte. Kulikuwa Pentecoste. Une effusion du Saint-Esprit. Ile kumwangia kwa Roho Mtakatifu. Sur le peuple oriental. Kwa wale watu wa asubuhi. Avec des signes. Na alama kabisa. Des prodiges. Na miujiza. Des miracles. Na miujiza. Des grandes choses qui se sont accomplies. Na vitu vikubwa vikatimilika. Mais à présent. Lakini kwa sasa. Branham dit mais à présent. Branham anasema lakini kwa sasa. Les lumières du soir sont apparues. Nuru kwa wingi za jioni zimeonekana. Et à présent, na kwa sasa, le même Saint-Esprit, ule Roho Mtakatifu moja moja, avec la même manifestation, na ile konekaniko ama mokaneo moja moja, faisant les mêmes choses, inafanya vitu vimoja vimoja, et fera exactement comme autrefois, na kufanya kabisa kabisa kama wakati wa zamani. Il est en train de briller sur le peuple de l'Ouest, na iko na angazia kwa watu wa magharibi. Kwa wakati wa taifa ya watu wa mataifa. Un peuple qui porte son nom. Ile taifa inachukua jina lake. Branham dit le même Saint-Esprit. Branham sema ule Roho Mtakatifu moja moja. Ici le Saint-Esprit ce n'est pas le Saint-Esprit qui sont reçu le jour de Pentecôte. Ule Roho Mtakatifu haiko Roho Mtakatifu alipokea siku ya Pentecôte. Et le Saint-Esprit ce n'est pas le vent. Na Roho Mtakatifu haiko mpepo tu. Le vrai Saint-Esprit ce n'est pas le feu. Na Roho Mtakatifu wa kweli haina moto. Ce n'est pas des sensations et des émotions. Haina mchochemoko na kurukaruka. Le Saint-Esprit dont parle Branham ici. Roho Mtakatifu nabii anasema hapa. C'est un homme. Ni mtu. Une personne. Mutu kabisa. Le même Saint-Esprit dans un homme. Ule Roho Mtakatifu mumutu. Appelé Jésus-Christ. Aliitwa Yesu Kristo. Il a fait des signes, des prodiges. Akafanya miujiza na mishara. Et votre prophète dit. Nabii anasema hivi. Et ici au temps présent. Na hapa kwa sasa. Le même Saint-Esprit. Ule Roho Mtakatifu moja moja. La même divinité. Ule Mungu moja moja. La même parole. Ule neno moja moja. Le même ange du Seigneur. Ule malaika moja. Fait les mêmes choses comme il faisait là-bas au commencement. Anafanya vitu moja moja hapa kama alifanya wakati wa zamani. Alléluia. Amen. Et maintenant, Nasasa. L'est et l'ouest se sont rencontrés. Asubuhi na magharibi bilikutanana. Et les civilisations se sont entrechoquées. Na ile usirimu imeingiana. L'est et l'ouest. Asubuhi na magharibi. Lorsqu'ils se rencontrent, wakati zinakutanana. Une lumière doit jaillir. Nuru yapasha kuwaka. Quand Dieu kama vile Mungu et l'homme na mtu se rencontre wanakutanana la lumière doit apparaître. Nuru inapasha kuonekana. Quand le ciel wakati mbingu et la terre na bulongo deviennent un inakuwa mmoja. Il faut qu'une lumière puisse paraître. Inalomba nuru kabisa ipotee. C'est ce qui se passe entre de nos jours. Joki napitikana kwa hiyo masiku. Amen. Amen.
Et maintenant, l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Les civilisations se sont entrechoquées. Cela a plongé le monde dans la condition la plus ridicule. La condition la plus barbare jamais connue ou imaginée. Nous aborderons cela un soir. Ce n'est pas de cela que j'ai compté parler ce soir. Mais c'est certainement ce qui montre qu'on est au temps de la fin. J'essaie de faire, c'est d'avertir constamment les gens que nous sommes au temps de la fin. Nous ne sommes pas au matin. Nous ne sommes pas à midi. Cet temps-là est déjà passé. Nous sommes arrivés vers le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est le temps de la fin. Nous voyons tous les signes possibles que la Bible a produit, que Branham aussi a promis. Tout est déjà accompli. Et si tout est accompli, un homme doit s'élever du côté du soleil couchant. Une lumière doit apparaître. Et c'est ce que nous sommes maintenant. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Le 22 août 1965. Dieu est révélé dans chaque âge. Par sa parole promise pour cet âge. Maintenant, considérons donc certaines de ces promesses pour aujourd'hui. Tandis que nous concluons maintenant par ces dernières paroles. Dieu est présentement en train de se révéler au temps de la lumière du soir. Mungu iko najifunua kabisa kabisa wakati wa jioni. Voyons donc. Unaona basi. La lumière paraîtra vers le milieu du jour. Nuru itaonekana katikati ya juu ya siku. C'est ce que Zacharie a dit. Ndio Zacharie alisema? Non. Hapana. La lumière ne paraîtra pas au milieu du jour. Nuru haitaonekana katikati ya siku. Au temps de la fin. Lakini wakati wa mwisho. Dans quel but envoie-t-on la lumière? Pour vous permettre de voir. Comment vous déplacer? C'est juste. Pour voir où vous êtes. Vers le soir, la lumière paraîtra. Branham dit, prenons donc cela maintenant. Et comparons-le avec Malachie 4. Il a promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra de nouveau. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez? Car, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et il ramènera le cœur des enfants au père. Et les pères aux enfants. Et c'est juste de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quand vous lisez dans votre Bible, dans Malachie 4, il dit, je vous enverrai Élie. Il y a une virgule. Et après cette virgule, le prophète. Donc cette écriture a deux personnes dans la même écriture. Il y a Élie. Il y a aussi le prophète. Maintenant, qui est Élie pour nous? Qu'est-ce qu'il fait Élie dans la parole? Parce que quand Jésus mourut sur la croix, avant de pouvoir mourir, la Bible dit il a crié à haute voix. Élie, Élie, lama sabakatani. Élie, Élie.
Et on a interprété cela. Na wakata fakari ile. Mon Dieu. Mungu wangu. Mon Dieu. Mungu wangu. Pourquoi tu m'as abandonné? Kwa nini umeniacha? Quand Malachi dit que je vous enverrai Élie. Donc il nous, Dieu lui-même va venir. Wakati Elia anasema na watumia Elia ni kusema Mungu mwenyewe atakuja. Accompagné d'un prophète. Akisindikizwa na nabii. Donc Élie ne peut pas agir sans un prophète. Ni kusema Elia hawezi kutenda kazi bila nabii. Et le prophète ne peut pas ramener le cœur des gens sans Élie. Na nabii asirudisha mioyo ya watoto bila Elia. Donc Dieu et l'homme en service en même temps. Ni kusema Elia na Mungu wanatumika kwa kazi moja kwa moja. C'est ça la lumière du soir. Ile ndio nuru wakati wa jioni. Branham lui-même ce n'est pas la lumière du soir. Nabii mwenyewe Branham mwenyewe haiko nuru ya jioni. Jésus-Christ lui-même ce n'est pas la lumière du soir. Yesu Kristo yuko yeye mwenyewe nuru. Il faut qu'il y ait Élie le prophète. Inalomba kukuwe Elia nabii. Il faut que Dieu soit un prophète. Inalomba Mungu akuwe nabii. Nous devons voir Dieu en ces derniers jours dans la forme d'un prophète. Tunapaswa kuona Mungu leo muumba la nabii. Le prophète doit donner place à Élie. Na nabii anapaswa kupatia fasi kwa Elia. Il doit accepter de travailler avec Élie. Na akubali kutumika na Elia. Élie doit accepter de travailler avec le prophète. Na Elia anapaswa kukubali kutumika na nabii. Deux à la fois. Na mbiote yuili mara moja. La divinité dans un corps de chair. Mungu ndani ya mwili wa mtu. Oh, qui peut dire amen à ça? Anasema amina pale. Il faut que la divinité trouve un tabernacle. Ipote maskani. Il faut que la divinité trouve un lieu de repos. Na lomba umungu pate fasa kupumuzikia. Et moi je crois que na mimi naamini hivi. Le véritable Branham tabernacle ce n'est pas cette maison là où Nevi était le pasteur. Branham tabernacle haiko ile nyumba pale Nevi alikuwa ni mchungaji. Le véritable Branham tabernacle ile maskani Branham tabernacle c'est cet homme chauve là. Ni ule mtu akipara. Il devient le tabernacle de Dieu. Anakuwa maskani ya Mungu. Pour que Dieu puisse agir. Kusudi Mungu atumike et jaillir la lumière du soir. Ndosha nuru ya jioni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut les deux à la fois. Il a l'homme à faire des Élie. Le véritable Élie. Branham dit le véritable Élie de la Malachi 4. Élie, nabii anasema kama Élie wa kweli wa Malachi sura 4. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mon-yewe. Mais quand Malachi 4 est accompli, nous ne voyons pas Jésus-Christ. Hatumuoni Jésus-Christ. Ou bien nous ne le connaissons pas comme nous l'avons connu autrefois. Mbona hatumtambui kumjua vile tulimjua wakati wa zamani. Il doit changer de forme. Anapaswa kubadilisha umbo. Il doit être transfiguré. Anapaswa kubadilishwa. Comme ce fils la montagne de transfiguration. C'est pourquoi c'est une pierre d'achoppement. Parce que Jésus que nous proclamons aujourd'hui ne porte pas une robe blanche. Il n'a pas une longue barbe. Il ne parle pas le hébreu. Le même Jésus, le même Dieu, le même Seigneur, appelé Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît cette fois-ci, non pas avec un corps de cicatrice. Branham dit, si je vais rencontrer un Jésus comme ça, je ne croirai pas en lui. Oh, poussez un peu les cris des gens. Je vous enverrai Élie le prophète. L'Est et l'Ouest doivent se rencontrer. La divinité dans un corps de chair. Umungu ndani ya mwili wa mtu wa minofu. Pour faire jaillir la lumière du soir. Kusudi watoshe nuru ya jioni. C'est cette union invisible. Ni ile muungano sionekana. Qui va ramener le cœur des enfants à leur père. Joyeux arudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. La foi des pères c'est quoi? Imani ya baba ni nini basi? Parce que les gens ne voient que les sept âges de l'église. Kwa sababu watu wiko naona tu vizazi saba vya kanisa. Mais je vous dis qu'il n'y en a pas sept, c'est huit. Lakini nawaambia haina tu visaba lakini iko nane. Parce que avant l'âge d'Éphèse, kwa sababu mbele ya kizazi cha Éphèse, il y avait un âge apostolique. Kulikuwa kizazi cha wa mitume. Quand nous sommes ramenés à l'âge apostolique. Vile tumerudishwa ku kizazi cha mitume. Nous ne sommes pas ramenés à l'âge d'Éphèse. Aturudisha mu kizazi cha Éphèse. Nous sommes ramenés à l'église primitive. Tunarudisha ku kanisa ya mwanzo. Qui était le Dieu de l'église primitive? Nani alikuwa Mungu wa kanisa ya kwanza? C'était Jésus-Christ. Alikuwa Yesu Kristo. Et qui était Jésus?
Jésus. Il était Emmanuel. Emmanuel Dieu vivant ensemble avec les gens. Et quand les cœurs des enfants sont ramenés à leur père, Dieu doit encore devenir Emmanuel une fois de plus. Il doit vivre ensemble avec les hommes. Oh, qui dit amen là-bas? Qui dit amen à haute voix? C'est ça la vérité. Jésus, yes, était Emmanuel. Aliko Emmanuel. Dieu avec les hommes. Mungu pamoja na watu. Et quand Dieu est devenu homme, wakati Mungu anakuwa mtu, dans une chair appelée Jésus, mukile mwili aliitwa Yesu. Il a projeté une lumière du côté de l'est. Na ile ikatoa mwangaza wakati wa asubuhi. Encore une fois. Na mara tena. Pour accomplir Zacharie 14. Tu ndetimiza Zacharie 14. Il doit encore devenir Emmanuel. Inalomba tena Mungu akuwe Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Mungu katikati yetu. À cette époque là la divinité n'est plus au ciel. Kwa ile wakati sasa Mungu haiko tena mbinguni. La divinité est sur la terre. Mungu inakuwa kudunia. Amen. Amen. Et nous voyons Dieu se manifester. Nous voyons Dieu discerner les pensées. Nous voyons Dieu briser les sceaux. Nous voyons Dieu en train de guérir les malades. Comme ce fut au commencement. Parce que c'est le même soleil. C'est la même lumière. Écoutez un peu, frère Branham. Dans la prédication, la restitution de l'arbre repose. Katika maubiri kurudishwa upya kwa muti bibi harusi. Prêché le 22 mars, avril, 22 avril. Ilihubiriwa tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 62. 62. Kifungo mwaka 62. Je lis le paragraphe. Kifungo 323. 323. Anasema hivi. Voilà. Muone sasa. Ensemble, moya fasi moja, un en nous, moja katikati yetu. Branham dit, lorsque je parle de nous, je parle de moi-même. Wakati Branham nasema nasema shie, nasema mimi mwenyewe. Il dit voilà, anasema muone basi, un ensemble, moya fasi moja, un en nous, moja katikati yetu, ama ndani yetu. Même signe. Na ile alama moja muzalama moja moja. Que les êtres humains ne peuvent pas accomplir. Zile watu binadamu hawezi kutimiza. Se manifeste de même. Inaonekana vile vile. Cela se manifeste. Inaonekana. La parole. Neno. Pour produire la parole de Dieu. Kusudi, prédestiné. Kusudi zae neno ya Mungu ilio tayarishwa. A partir des racines de l'arbre. Kuanzia kwanza kumizizi ya muti. Là au fond. C'est que toutes les dénominations avaient rejeté. Ile mazebu kilitupilia katupilia na kutupilia. Mais une lumière paraîtra. Lakini nuru itaonekana. Il y aura la lumière. Kutakuwa nuru. Elle paraîtra. Itaonekana kabisa. Où? Sasa wapi? Où paraîtra cette lumière? Ile nuru itaonekana wapi? Là à Jérusalem. Kule Yerusalem. Branham me dit non. Branham anasema hapana. Non. Apana. La lumière du soir ne paraîtra pas à Jérusalem. Nuru ya jioni haitaonekana kule Yerusalem. Où vont les lumières du soir? Wapi sasa ile nuru ya jioni itaonekana? À l'ouest. Mangaribi. Ils avaient eu leur jour. Walikuwa na siku yabo. Et ils avaient rejeté cela. Na wakaitupilia. Mais la lumière du soir. Lakini nuru ya jioni. Se lèvera à l'ouest. Itaamka. Mangaribi. Pourquoi? Kwa nini basi? Pour briller sur la parole. Kusudi yangaze neno. Et ensuite, na kisha, pour faire mûrir le fruit. Kusudi komaishe matunda. Faire pousser l'arbre épouse. Kusudi komaishe muti bibi harusi. Avec les mêmes signes. Na zile alama moja moja. Les mêmes prodiges. Na meishara moja moja. Les mêmes fruits. Matunda moja qui moja. Qui savait au commencement. Ile walikuwa nayo kule mwanzoni. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Wakati wa jioni nuru itaonekana. C'est vrai. Ni kweli. Je lisais frère Branham. Kwa kisoma ndugu Branham. Il dit les gens vont. Anasema watu s'acheter des laissés passer. Watu wanaenda kuuza ile laissés passer. Pour se rendre à Jérusalem. Kusudi waende Yerusalemu. Il n'y a plus rien là-bas. Yerusalemu hakuna kitu.
il n'y a pas de vie éternelle à Jérusalem. Hakuna uzima wa milele Jérusalem. En Israël, il n'y a plus rien. Jérusalem hakuna kitu kabisa. Ils ont rejeté leur visitation. Walitupilia kutembelewa kwapo. Jusqu'à aller les crucifier sur la croix. Paka kumusulubisha kwenye msalaba. Aujourd'hui, c'est l'âge des gentils. Leo ni kizazi cha watu wa mataifa. Aujourd'hui, le soleil ne brille pas à Israël. Leo jua yangaze tena Jérusalem. Mais du côté de l'ouest. Lakini ngambo ya magharibi. Si vous me donnez la permission. La lumière du soir a brillé aux États-Unis d'Amérique. Nuru ya jioni iliangazwa Amerika. Et je vous dis, le véritable Israël aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique. Israël ya kweli leo ni shirikisho la Amerika. Je crois que vous avez déjà appris ça. Na waza mulishaka jifunza ile. Je crois que vous avez déjà appris ça. Na waza mushajua ile. Il y a des villes des États-Unis qui sont comparées à Jericho, à Bethléem, ainsi Una de suite. Miji moja ya uko shirikisho la Amerika zinafananishwa na Jericho, ma muji moja za Israeli kule. Donc, la vie éternelle. Ni kusema la recevoir aujourd'hui. Kusudi uipokeleo. Ne vous dérangez pas d'aller en Israël. Usizisumbue kusafiri mwana Yerusalemu. Ils ont rejeté leur visitation. Walitupilia kutembelewa kwao. Ils ont rejeté leur Messie. Walitupilia mashia wabo. Cet âge est l'âge des gentils. Ikizazi ni kizazi cha watu wa mataifa. La lumière du soir brille au milieu des gentils. Na nuru ya jioni inaangaza katikati ya watu wa mataifa. La vraie parole aujourd'hui. Na niza neno leo. Le pain de vie aujourd'hui. Ama mkate wa uzima leo. C'est le message du temps de la fin. Ni ujumbe wa wakati wa mwisho. Qui est prêché par un gentil. Ikihubiriwa na mtu wa mataifa. Donc si vous voulez avoir la vie éternelle aujourd'hui. Kwa sababu kama unapenda kupata uzima wa milele leo. Croyez au message de William Branham. Ameni ujumbe wa ndugu William Branham. Il n'y a pas une autre vérité en dehors du message de frère Branham. Hakuna ingine kweli moja nyuma ya ujumbe wa William Branham. Qui dit amen à haute voix jusqu'à. Ana nasema amina kwa ile. Et vous devez être fier. Na nyinyi mnapasha kuwa kabisa watu wa kupenda. Peu importe vos petites faiblesses. Aizuru hata udhaifu wenu. Peu importe vos erreurs. Aizuru makosa yenu. Vous êtes les gens les plus bénis de la terre. Ndio watu waliobarikiwa wa dunia mzima. Parce que vous avez eu la grâce de rencontrer le messager et le message de votre âge. Mulipata neema kumpokea ujumbe na mjumbe wa kizazi kenu. Abraham ndi. Na Biblia la grâce aujourd'hui. Neema leo. C'est croire au message de votre âge. Ni kuamini ujumbe wa wakati wako. Et la perfection aujourd'hui. Na ukamilifu leo. C'est dans le message de Malachi 4. Katika ujumbe wa Malachi 4. Toutes ces églises que vous voyez par-ci par-là. Hii makanisa tunaona ngambo ya ngambo. Je n'ai pas honte de vous le dire. Sina haya kuambia. Ils ne seront pas sauvés. Abata okolewa. Pour être sauvés aujourd'hui. Kusudi okolewa leo. Venez au message. Wakuje mujumbe. Et vous qui êtes au message dans le message. Kwa sababu nani ya ujumbe? Vous qui êtes dans le message. Ninyi mko ndani ya ujumbe. Branham vous dit. Brahma nasema. Ne prenez pas le risque de quitter ce message. Musibebe kabisa hii kitu kumwacha ujumbe. Même si vous tombez. Hata kama unaanguka. Tombez dans ce message. Anguka mwa hii ujumbe. Même si vous êtes malade. Hata kama uko mgonjwa. Restez dans le message. Bakia mu ujumbe. Même si vous êtes pauvre. Hata kama uko maskini. Peu importe les circonstances que vous traversez. Aizuru mambo kuna pitia. Le message de frère Branham. Ujumbe wa ndugu Branham. C'est ça Canaan aujourd'hui. Injo Kanani leo. C'est là où coule le lait et le miel. Injo kuna tirimuka maziwa na asali. C'est là où il y a l'arbre de vie. Injo kuna mti wa uzima. Alléluia. Amen. Frère Branham dit. Ndugu Branham sema. Au jardin de Eden, il y avait deux arbres. Kama katika bustani ya Edeni kulikuwa miti mbili. L'arbre de vie, mtu wa uzima, qui était l'homme Christ. Alikuwa mtu Kristo. L'arbre de la mort, c'est la femme. Na yule mtu wa kifo ni mwanamke. Quand Christ est venu, wakati Kristo alikuja, les Romains, wa Roma, par la jalousie, kupitia wivu, ils l'ont crucifié. Wakamsulubisha. Branham dit à ce moment-là, ils ont coupé l'arbre de vie. Branham anasema kwa ile wakati wakakata mtu wa uzima. Mais gloire à Dieu. Kini utukufu kwa Mungu. L'arbre était coupé. Muti uzima. Mais les racines étaient restées. Lakini mizizi yake ilibakia. Joël est fier. Sasa Joël anakuja. Il regarde cela. Anaangalia ile. Il dit je restaurerai cet arbre là. Joël anasema narudisha upya ile muti. Jésus était l'arbre époux. Yes alikuwa muti bibi bwana rusi. Mais la lumière du soir. Lakini sasa nuru ya jioni. Pour germer l'arbre époux. Kusudi ioteshe muti bibi rusi. Mutu
qui sera l'épouse pour le Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai toujours cru que l'épouse est représentée d'une personne. L'épouse aujourd'hui, c'est William Branham. Et nous tous, pour être sauvé, nous devons être derrière William Branham. Et il dit, si les gens de Paul, les gens de Pierre vont entrer, les miens aussi vont entrer. Parce que j'ai prêché comme Paul, j'ai prêché comme Pierre. Ton autre problème, c'est de rester derrière William Branham. Et quand Branham me dit une chose, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Quand Branham me dit une chose, même si cela vous paraît difficile, ne cherchez pas à comprendre cela. Ne raisonnez pas avec cela. Parce que la bouche de Branham, c'est la bouche de Dieu. Quand Branham parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Quand Branham parle, c'est Dieu qui parle. Alors quand il dit quelque chose, ne cherchez pas à la comprendre. Élevez seulement la main, dites amen à cela. Branham dit ne raisonnez pas. Croyez tout simplement. Amen et tout. Peut-être la compréhension viendra plus tard. Applaudissez un peu le Seigneur. Tu chantes voilà. Quand l'Est et l'Ouest se sont rencontrés, ça wakati asubuhi na magharibi inakutanana, et que Dieu et l'homme deviennent un, na wakati Mungu na mtu anakuwa kitu moja, ça scandalise beaucoup de personnes. Ile inakwaza watu mingi sana. Ils ne voient que le voile. Wanaona tu kifuniko. Ils ne voient que le corps de chair. Wanaona tu mwili. Mais ils ne voient pas la chose qui se trouve à l'intérieur. Mes frères, pour comprendre l'événement de ce jour, Branham dit regardez à la montagne de transfiguration. Je suis dans la prédication Les sangs confiés. Prêché le 18 décembre 1960. Je vais commencer à lire le paragraphe 378 pour m'arrêter au paragraphe 386. Il dit dans Matthieu 17 maintenant. Vous tous qui aimeriez noter ça. Maintenant Matthieu 17. Le verset 2. Vous y trouvez la transfiguration. Eh bien, si vous prenez, si vous avez le lexique grec, examinez cela là, en rapport avec la transfiguration. Il est dit, il fut transfiguré. Il fut transfiguré. Ama akabadilisha sura. En rapport avec la transfiguration, kufatana na kubadilisha sura, il est dit il fut transformé. Anasema akakuwa mtu mwingine. Transfiguration dont parle la Bible, c'est la transformation. Kugeuzwa sura ya Biblia nasema ni kukuwa mtu mwingine. Quand Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, wakati Yesu alichukua Yakobo, Petro na Yohana, il s'est rendu sur la montagne de transfiguration. Wakaenda kwa mlima wa mageuzi. Ils le connaissaient parce que c'est leur pasteur, c'est leur Dieu. Walikuwa wanamjua vizuri kwa sababu kwa mchungaji wao, Mungu wao. Mais une fois arrivé au sommet de la montagne, lakini wakati walifika pale kumwisho wa mlima, les trois disciples au bas de la montagne ont tourné le regard au sommet de la montagne. Mitume tatu wakaanza kuangalia sasa kule mbele kwa mlima. La Bible dit son visage brillait comme le soleil. Biblia nasema kama uso wake uliangaa kama jua. Il s'était transfiguré. Akabadilika. Il fut transformé. Akageuzwa, kabadilisha sura. Six jours après,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Yesu akachukua Yakobo na Yohana ndugu yake na Petro. Et il les conduisit sur une haute montagne. Na wakaenda kumulima ingine. Il fut transfiguré devant eux. Na akageuzwa uso mbele yabo. Or, savez-vous ce que le véritable grec dit qu'il a fait? Mnajua kile kigriki uzuri nasema kama alifanya. En étant transfiguré devant eux, aligeuzwa mbele yabo. Il changea son apparence. Akabadilisha sura yake, uso wake. Oh, combien de temps avons-nous? Sasa wakati gani tuko nayo? Frère Vie dit toute la journée. Tuko ndio nasema mchana mzima. L'assemblée dit amen. Kusanyika nasema amina. Supportez-moi juste encore un petit peu. Munivumilie tena wakati kidogo. Je dois juste faire entrer ceci. Napasha kabisa kuingiza hii. Quelque chose vient de me saisir si fortement. Kitu moyo kinaweza kunishika kabisa kwa nguvu. Que je dois à tout prix le dire. Na napasha kabisa kuisema. Pardonnez-moi. Munisamehe. Le dîner. Les haricots ne vont pas brûler. Allons simplement de l'avant. Très bien. Sawa. Il est toujours le même. Iko vile vile kabisa moja moja. Il n'a jamais changé. Hayabadilikaka. Il est toujours le même. Iko tu ule yule. Hébreux 13, 12. Waibrania 13. C'est Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ iko yule jana leo na hata milele. Maintenant suivez. Sasa fatini. Si nous croyons qu'il est ressuscité, kama tunaamini kama Yesu alifufuka, s'il n'est pas mort, kama hakukufa, alors il n'est pas dans la tombe. Sasa haiko mkaburi, il est vivant. Iko mzima. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Iko yule yule jana leo na hata milele. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Unaamini ile si vile? L'assemblée dit amen. Kusanyika sema amina. Eh bien, sawa. Quand il fait ici, quand il fut transfiguré, anafanya nini hapa wakati alibadilishwa? En grec, c'est dit, il a changé son apparence. Muki greki ina nikusema alibadilisha sura yake. L'événement de la montagne de transfiguration. Ile mambo kumulima wa mageuzi. Il perd sa forme de Jésus de Galilée. Anapoteza sura yake ya Galilaya. De telle manière que les disciples ne pouvaient plus reconnaître. Ule Manuel wa mituma wakotaka kumtambua. Il a changé son apparence. Anabadilisha sura. Considérer l'ordre de la résurrection. C'est ce qui m'a saisi tout à l'heure. Remarquez. Qu'est-ce qui est apparu en premier? Ici dans le chapitre qui suit. Chapitre 16. Il leur dit. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Qui n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Ce qu'il ferait en d'autres termes, il ferait un avant-goût du royaume de Dieu. Jésus voulait dire à ses disciples, quelques-uns parmi vous ne mourront point. Ils verront la seconde venue. Ils vont voir comment je vais revenir la deuxième fois. Et sur la montagne de transfiguration, Jésus a projeté le film de sa seconde venue. Et dans sa seconde venue, il change d'apparence. Il n'est plus dans la forme de Jésus de Galilée pour briser le sceau, discerner les pensées, pour donner la foi de l'enlèvement, pour révéler les sept tonnerres et récupérer les semences prédestinées. Il ne sera pas dans la forme de Jésus de Galilée. Ah, dites amen à haute voix. Il doit changer d'apparence. Les trois disciples ont vu cela sur la montagne. Son visage brillait comme le soleil. Et il était là. Et d'un coup, Élie est apparu. Moïse est apparu. Jésus au milieu. Il parlait avec Jésus. Et après un moment, Moïse est entré dans Jésus. Akaingia ndani ya Yesu. Élie est entré dans Jésus. Akaingia ndani ya Yesu. Et il n'a resté que Jésus seul. Na Élie bakacha Yesu mwenyewe. Le Saint des Saints. Mutakatifu la perfection de la perfection. Ukamilifu ukamilifu. La loi est tombée. Sheria ikaanguka. La loi est tombée. Sheria ikaanguka. La justice des prophètes est tombée. Il est resté seulement Jésus. Akabakia yeye mwenyewe Yesu. Et une voix est sortie. Na sauti moja katoka.
Est-ce que je peux parler? Et ça c'est ma part. Je peux prêcher? La Bible dit, une voix est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Maintenant, nous nous posons la question. S'il y avait une voix qui est sortie du ciel, c'est quand Jésus le Père n'habitait pas. Comment se fera-t-il? Il y a un Dieu en Jésus et un autre Dieu là-bas au ciel. Il y en a encore combien? Bitakuwa je, kuna mungu kule yulu, na mungu mwingine ndani ya Yesu. Branham anasema, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et tu es tayari kusikia yeye? Branham dit. Branham anasema, cette voix qui s'est fait entendre au sommet de la montagne. Il est sorti de ce que vous du ciel. La voix est sortie de Jésus lui-même. Il est sorti de ce que vous voulez. Sinon, nous avons deux dieux, l'un au ciel, l'un l'autre sur la terre. Il dit ici dans le chapitre qui suit. Le chapitre 16. Ah, masura kubina sita. Il leur a dit, aliwaambia, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Katikati yenu wa moja hawatakufa. Qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir en puissance. Bila kuona kwanza ufalme wa Mungu ukishuka na uwezo. Ce qu'il ferait. Kile atafanya. En d'autres termes. Umasemi ingine. Il verrait un avant-goût du royaume de Dieu. Wataona nduku onjo ya ufalme wa Mungu. Ils connaîtront l'ordre de la résurrection et l'avenir de Dieu. Vous voyez? Eh bien, il monta là-haut. Que s'est-il passé? Son apparence a été changée. En d'autres termes, il s'est révélé sous un autre aspect. Akajifunua musura ingine. Branham demande l'église, mais suivez-vous? En d'autres termes, il s'est révélé sous un autre aspect. Alijifunua musura ingine. L'aspect qu'il sera à sa seconde venue. Ma ile sura takuwa nayo mujio wake wa pili. Alléluia. L'assemblée dit amen. Amen. Kusanyiko kasema amina. L'assemblée dit amen. Kusanyiko kasema amina. Qu'avons-nous vu qui était une révélation l'autre soir? Sasa tuliona nini kuhusu ile ufunuo? Selon Apocalypse. Fatana na ufunuo. La signification de l'Apocalypse. Ile mkuma kusema ufunuo. Est-ce qu'il faut? Ça a été fait ici. Il a fait quelque chose. Et puis ce qu'il fait, il ôte tout simplement le voile. Et dit, le voici. Que refaisait-il ici? Il se révélait sous une autre apparence. Sous quelle apparence était-il? Ni musura gani alikuwa nayo? Dans une forme glorifiée. Muumbo iliyo utukufu. Transfiguré. Ikigeuzwa. Sa venue. Ujio wake. La façon dont il revient. Ugisi iko nakuya. Un Christ glorifié. Kristo aliye tukuzwa. Transformé. Transformé, kupadilishwa, son vêtement resplendit comme le soleil. Na mavazi yake kanga kama jua. L'apparence qu'il avait au sommet de la montagne. Sasa, ile sura alikuwa nayo kumulima. Il avait une forme étrange. Ilikuwa kabisa na sura ya kigeni. Kwa sa forme ordinaire. Haiko sura yake ya kawaida. Ici Branham dit. Hapo Branham anasema. C'est cette forme avec laquelle il revient. Ile umba kumulima ndio umba takuya. Avec les cicatrices. Hapana na sura ya ama ya. Avec une barbe. Ya malama na mande. Pas avec une robe. Il a changé d'apparence. Il est transformé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit oh là là. Branham a oh là là. Il était dans la nuée. Alikuwa ndani ya wingu. Et il vient sur les nuées de gloire. Na atakuja katika wingu la utukufu. Couvert d'une nuée. Akifunikwa na wingu.
N'a pas un petit kimilo nimbus blanc là-bas. Mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée de gloire. Et tous ses anges avec lui. Wa malaika wake pamoja na yeye. Branham dit alléluia. Branham anasema alléluia. Oh là là. Hey my. C'est comme ça qu'il revient. Ni vile njo atarudi. Il n'y a pas une photo de nuée ici. C'est où? Ok. Dans cette nuée-là, se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Muna patikana Yesu Kristo. Accompagné de sept messagers. Akisindikizwa na wamalaika saba. Même William Branham a été transporté dans la nuée. Hata William Branham balipelekwa muwingo. Et les blancs que vous voyez tout autour de lui, Nabila beupe muko naona karibu yake, qui donne la forme d'une perruque blanche. Donc il n'a pas na kofi, sura kofi ya meupe. Branham dit ce sont vos corps théophaniques. Branham anasema ni mili yenu ya utukufu. Lorsque Christ descend dans une nuée, wakati Christ anashuka ndani ya wingu, les corps, les maisons dont il a nous préparé, ile nyumba alisema anaenda kututayarishia, ce n'était pas des maisons à quatre murs. Aiko nyumba ya mbibambazi ine. Il est allé nous préparer nos corps théophaniques. Alienda kututengenezea ama kutuandalia mili ya utukufu. Lorsqu'il descend, na wakati anashuka ndani ya théophanie, en même temps avec ce corps là, anakuwa na ile mwili ya théophanie. Parce qu'il doit être couronné le roi des rois. Papa anapasha ku tiwa taji mfano wa falme. La Bible dit ce sont les saints qui vont le couronner. Yemani watakatifu ndio watamtia taji. Il vient ensemble avec sept messagers. Atakuwa na pamoja na malaika wake saba. Les six qui étaient déjà perdus, sita watapita, qui étaient déjà partis. Wako washakufa kuenda, qui représentait Moïse. Wako kiwakilisha Musa. Et le un qui était resté vivant. Moya tu alibaki mzima. C'est votre prophète Branham. Ni nabii wenu tu Branham. C'est pourquoi il fallait que Branham soit transporté dans la nuée. Na ndio maana iloma bampeleke Branham nayo katika wingu. Parce qu'il doit représenter Élie, le vivant. Kwa sababu anaenda kuonekanisha Elia ule mzima. Et tout autour de Christ, na kando kando ya Kristo, nos corps théophaniques. Mili yetu ya kitheophania. Je vous dis ce soir, na jioni ya leo, nos corps théophaniques ne restent plus là-bas au ciel. Mili yetu ya kitheophania haiko tena kule mbinguni. D'ailleurs, Branham dit, Branham anasema, ce corps de chair ne comprend pas la parole. C'est la théophanie qui comprend le mystère de Dieu. Alors, à la révélation de cette sceau, quand le septième sceau est brisé, wakati miuri saba ilivunjwa, ça ramène Christ sur la terre. Inamrudisha Kristo kudunia. Branham ne dit pas que le septième sceau ramène Jésus Christ au sol. Non. Biblia haiseme kama muri wa saba namrudisha Yesu kuudongo. Mais le septième sceau ramène Jésus Christ sur la terre. Muri wa saba namrudisha Yesu kuudongo. Pas au sol. Apana pa udongo. Là où il y a des pierres et des sables. Non. Michanga apana. Le septième sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Uri wa saba namrudisha Yesu kuudongo. Une motte de terre. Sikuma ka udongo ka sehemu ka udongo. Qui peut bouger. Ile naweza kutingizika. Qui peut se déplacer. Naweza kutembea. Composé de ces éléments. Ces éléments. Na iniko na ile element yake 16. Donc le septième sceau, pour parler dans des termes clairs, ramène Jésus-Christ dans William et Branham. Kusema wazi, muri wa saba inamrudisha njo Yesu ndani ya William Branham. Branham et Jésus deviennent un. Branham na Yesu anakuwa kitu hiki kimoja. C'est pourquoi dans cette seconde venue, si vous le cherchez dans un corps de Galilée, vous ne le verrez pas. Kwa sababu mujenge wa pili ukimtafuta muji musuraki ya Galilaya hamtamuona. Il doit être transformé. Inalomba badilishwe. Il doit changer son apparence. Badilisha sura yake. Il n'est plus comme il était parti. Aiko tena sur la terre. Aiko tena vile alienda kudongo. Ici sur la terre. Pale kwa kudongo. Nous voyons Jésus sous forme de William et Branham. Tunamuona ndo Yesu musura ya William Branham. Nous voyons Dieu sous forme de William et Branham. Tunamuona Mungu musura ya William Branham. Il a changé d'apparence. Alibadilisha sura. Il a mis le premier corps à côté. Katia mwili wa kwanza pembeni. Parce que nous sommes au temps du soir. Kwa sababu tuko wakati wa jioni. Là où la lumière doit apparaître. Pale nuru inapasha kuonekana. Et si la lumière apparaît au temps du soir, kama nuru inaonekana wakati wa jioni, il doit trouver un nouveau tabernacle. Un nouveau corps. Anapasha pate maskani mupya, mwili mupya. Appelé William Branham. Inayoitwa William Branham. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi même les frères dans ces messages sont scandalisés. Joko sababu hata wandugu wengine mwe ujumbe wamekwaza tu bure. Si Jésus est venu. Tu ya si Jésus est venu. Kama Yesu.
Alléluia. Où est ce Jésus-là? Si Jésus est venu, nous voulons le voir. Tu ne vas pas le voir. Parce que voir signifie comprendre. Tu ne comprendras pas. Il faut que ton corps théophanique descende dans la nuée pour te révéler la seconde venue du Seigneur. Si votre corps n'est pas là, alléluia, alléluia. Mon frère, tu peux avoir un téléphone. Et tu vas charger 1000 unités. Si tu vas te placer dans un milieu où il n'y a pas de réseau, même si vous avez 1000 unités, tu ne peux pas appeler. Tu es hors connexion. La personne qui connaît la parole, c'est votre corps théophanique. Même quand je parle maintenant, c'est votre théophanie qui reçoit ça d'abord. Et ça vient vous communiquer pour vous dire amen à cette écriture. Et le corps théophanique, c'est seulement pour les prédestinés de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la forme qu'il avait sur la montagne là-bas. Ça. Sur le coin d'un le moli makulé. Branham Anasema. Ça c'est le film que Dieu avait projeté pour sa seconde venue. Ni film ama mufano ye ile Mungu alionesha kujiwake wa pili. Il fit transfigurer. Akabadilisha sura. En grec, transfigurer signifie transformer. Moki Yunani. Transformer signifie changer d'apparence. Si vous cherchez à voir Dieu aujourd'hui, regardez William Branham. Dieu n'est pas reconnu par les vêtements et l'habillement. Dieu est reconnu par ses caractéristiques. Mungu wanamutambua kupitia tabia zake. Quand nous regardons le ministère de William Branham, nous concluons que la divinité n'est pas au ciel. Parce que les œuvres que Branham a accomplies en ces derniers jours, un homme naturel ne peut pas faire ça. Un soir, il était dans une église. Il venait dans une église. Frère Branham. Et il est entré par la porte de derrière. Vous savez tout ce que Branham aimait porter un chapeau. Et il savait qu'un homme ne peut pas entrer dans l'église avec un chapeau. Il prend son chapeau, il dépose là derrière. Et un homme qui était tuberculé. Tellement tuberculé, vraiment tuberculé. Il dit, mais comment je vais parvenir à arriver là où frère Branham se trouve? Pour qu'il puisse prier pour moi. C'est pratiquement impossible. Il a jeté le regard à côté. Il voit le chapeau que frère Branham est venu. Il dit, tout ce qui touche le prophète est déjà ouais. Il dit, au lieu d'aller déranger frère Branham pour la prière, je vais simplement toucher son chapeau. Et lorsqu'il a touché le chapeau de frère Branham, directement la tuberculose apparaît. Ce sont des signes qui montrent que ce n'est pas Branham, il y a quelque chose dans William Branham. Il est ni alama yoloneshe kama haiko William Branham, kuna kitu ndani ya William Branham. Et c'est quelque chose là, c'est la plénitude de la divinité. Na ile kitu ni utele wote wa kimungu. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, asante Bwana. Le ministère de frère Branham avait trois pôles. Sasa huduma wa ndugu Branham ulikuwa na uvutio tatu. Je dis la vérité? Nasema kweli. Vous croyez comme moi? Son ministère avait trois pôles. Son premier pôle, c'était la guérison divine. Le second pôle, le discernement des pensées.
Le troisième épaule, sasa. Uvuto wa tatu. C'est là où Apocalypse 10 est accompli. Ni pale njo ufunuo kumi inatimilika. L'ange puissant descend. Malaika mwenye uwezo anashuka. Il met un pied sur la terre, un pied sur la mer. Anatia mugulu wake mmoja kwa udongo na wengine kwenye bahari. Il descend avec un petit livre ouvert. Anashuka na kitabu kidogo kilio wazi. Et il arrive devant le septième ange. Nanafika mbele malaika. Le messager terrestre, mujumbe wa kudunia. Il lui remet le livre. Anampatia kitabu. Il prend le livre. Amwambia chukua kitabu. N'allez pas le garder dans une valise. Usiende mangalia mu valise mu sakoshi moja kule. Ne le mettez pas dans une armoire. Usitie katika kabati. Avale le livre. Lakini meza kitabu. Faut que toi la parole devenir un. Kusudiwa na moja ukua moja na neno. Mes frères, à ce moment-là, sasa ndugu kwa hiyo wakati ile, ce n'était plus notre frère Branham. Haikuwa tena ndugu yetu Branham. C'était Christ personnifié. Alikuwa Christ anayevaa mwili. C'est pourquoi il pouvait dire, jamani alipata kusema, j'étais votre frère il y a un moment. Nilikuwa ndugu yenu saa moja. Mais maintenant, lakini hapa sasa, ce n'est plus votre frère. Haiko tena ndugu yenu. C'est votre Seigneur. Ni Bwana wenu. Oh, poussez le cri de joie. Hey, makelele ya furaha. J'étais votre frère. Nilikuwa ndugu yenu saa moja. Il y a quelques minutes. Wakati dakika fulani na pita. Maintenant, lakini hapa sasa, c'est votre Seigneur. Ni Bwana wenu. Je prends tout esprit dans la salle. Na beba roho yote mwai kanisa. Sous mon contrôle. Chini ya uongozi ulinzi wangu. Oh, mes frères. Oh, ndugu. À cette époque-là, quelle wakati ile, c'est l'ouverture de la parole. Ni ufunulivu wa neno wa uvuto wa tatu. Vous allez écouter frère Branham. Tunamsikia ndugu Branham. Hivi à ce moment-là, la symphonie a changé. Anasema mudundo inabadilika. Même notre façon de prier a changé. Hata hali yetu ya kuomba inabadilika. Notre façon de nous habiller a changé. Hata hali yetu ya kuvala inabadilika. Notre façon de rire a changé. Hali yetu ya kucheka inabadilika. La symphonie a changé. Mambo inabadilika. Maintenant, sasa, quand le septième soit brisé, wakati muru wa saba mevunjwa, et la parole est révélée, nous arrivons au troisième point. Tunafika kuvuta watatu. Branham dit, nous sommes arrivés à l'âge de la parole parlée. Branham anasema tunafika mukizazi kya neno iliyonenwa. Nous pouvons même prier sans fermer les yeux. Tunaweza kuomba bila kufunga macho. Parce qu'à ce moment-là, c'est la puissance créatrice qui va commencer à agir. Ni uwezo wa kuumba ndio unaanza kutumika pale. À ce moment-là, hiyo wakati, je n'ai pas besoin de me lamenter. Sina wakati ya kununa kulialia. De pleurer, ya kulialia. Parce que Dieu n'attendra que votre parole. Kwa sababu Mungu atasikia neno lako. Nous sommes arrivés à la parole parlée. Tunafikia muneno iliyonenwa. Je ne sais pas si tu veux pas croire. Sio kama utaniamini pale. Quand Branham a créé wakati Branham aliumba mashimbi. Quand est-ce qu'il est allé jeûner? Wakati gani alienda kufunga chakula? Il n'a pas jeûné. Hakufunga chakula. Qui peut dire amen là-bas? Mimi nasema amina pale. Il n'a pas fait une veille de prière. Hakufanya ile ubakesha maombi. Et je vous dirai encore. Na kwambia tena. Quand les écrits étaient créés, Branham n'a même pas prié. Wakati mashimbi liumbiwa, il n'a pas prié. Hakuomba. Je dis il n'a pas prié. Nasema vizuri, Branham hakuomba. Pour créer des écureuils, Branham n'a pas prié. Branham, tu es en train de retourner à la maison. Mais tu n'as rien eu. Seigneur, je n'ai rien eu. De quoi tu as besoin? J'ai besoin des écureuils. Tu en veux combien? Trois. Tatu. Où est-ce que tu veux qu'ils apparaissent? Un écureuil ici. Moya pale. Un écureuil là-bas. Ingine pale. Un écureuil là-bas. Ingine pale. Il ne s'est pas mis à genoux. Hakupiga magoti aombe. Ça, je dis la vérité. Sinasema kweli. Branham n'a pas prié. Branham hakuomba. Il a prononcé la parole parlée. Alitamka neno iliyosemewa makunenwa. Pour votre besoin. Tu ya tena lazima yako. Si vous croyez que je dis ce soir. Kama tamaka votre besoin. Tu ya itaji yako. Vous n'avez pas besoin d'aller jeûner. Haina lazima kufunga chakula bwana. Pour votre maladie. Tu ya magonjwa. Vous n'avez pas besoin d'aller jeûner. Hauna lazima kwenda kufunga chakula. Nous sommes arrivés à la parole parlée. Tumefikia wakati wa neno iliyonenwa. Le troisième point. C'est la parole parlée. Neno iliyonenwa. Branham ne s'est jamais
à genoux. Branham n'a pas fermé les yeux. Vous prononcez la parole. Les yeux ouverts. Dieu n'attend que votre parole pour l'exécuter. Oh, donnez-moi un amen vigoureux là-bas. C'est là où l'épouse est arrivée en ce dernier jour. Nous sommes arrivés à la parole parlée. De prononcer la parole et la chose arrive. Branham a dit, prier c'est quoi? Je vais prier. Prier c'est quoi? Na pena ni kuomba. Sasa kuomba njo nini? Branham a dit prier signifie créer. Branham anasema kuomba ni kusema kuumba. Et créer c'est quoi? Na kuumba ni nini? Créer c'est appeler la chose à l'existence. Na kuumba ni kuita kitu kikuwe. C'est là où tu es ce soir. Ni pana njoko choni ya leo. Inutile de pleurer. Aina mana kulialia. Inutile de courir vers le pasteur. Aina mana kwenda kwa mchungaji. Inutile d'aller vers le diacre. Aina mana kwenda kwa marumbashi. Il y a cette autorité là. Uko na ile uwezo wewe mwenyewe. Parce que la lumière a déjà apparu. Kwa sababu nuru ilishaonekana. La symphonie a changé. Mudundo mabadilika. Nous sommes entrés dans un nouveau jour. Tumefikia usiku mpya. Hallelujah. Amen. Écoutez le prophète. Sikiza nabii. Et je m'en vais pour terminer. Na, nenda kumalizia. Dans la prédication Shalom. Katika maubiri, salama ama amani. Prêché le 12 janvier 1964. Paragraphe 170. Nous avons entendu que tulisikia kakama. La parole disait qu'au jour du 7e ange, neno lisema wakati wa malaika wa saba, dans les anges de l'église, katika vizazi vya kanisa, il a dit que le messager du 7e ange serait le dernier message. Malaika le message du 7e ange serait le dernier message. Alisema kama ujumbe wa malaika wa saba itakuwa ujumbe wa mwisho. Si nous considérons cette écriture, bon, tukichukua yandiko hii, où est la place des successeurs, tous ces successeurs de Branham? Aba bakumu wakuya nyuma Branham fasi yabu kuwapi hapa. O shinyo tutabaram plasa. Dans les âges de l'église, mwakizazi ya kanisa, il a dit que le message du 7e âge alisema kama serait le dernier message. Ujumbe ya malaika wa saba itakuwa ujumbe ya mwisho. En d'autres termes, masemi ingine, Branham n'aura pas un successeur. Branham atakuwa na wakumuendelesha kazi yake. Parce que Branham a déjà présenté Jésus. Branham, alisha onesha Yesu wazi. Il dit, moi je dois diminuer, lui doit croître. Anasema, mimi napesha kushuka yeye apande. Branham dit, je dois vous quitter pour de bon. Branham anasema, ndawaacha lote. Branham a déjà fait le remise de prise avec Jésus-Christ. Branham alikuwa anachana bana panana makazi. Yeye ndugu Branham. Où est la place d'un successeur? Sasa kazi ya huyu wa munane iko wapi hapa? Tu vas succéder Branham pour nous apporter quel message? Wewe utakuwa succéder Branham juu tulete ujumbe ya gani? Il dit le message du 7e âge. Anasema ujumbe wa malaika wa saba. Le dernier message. Ni ujumbe ya mwisho. Oh, applaudissez un peu le Seigneur. Shangilia Bwana. Et alors, Nasasa, nous voyons là, tunaona pale, dans Apocalypse 10, Mufunuo 10, qu'au jour du message du 7e ange, kama wakati, ama siku ya malaika, wa ujumbe malaika wa saba, les mystères de Dieu seraient finis. Siri za Mungu zitaisha. Le 7e sceau serait ouvert. Muhuri wa saba utafunuliwa. Cela devrait être là. Cela devrait être là. Na ile inapaswa kuwa pale. Et tout à coup, quand cela arrivait, na mara moja wakati inafika, une vision est apparue. Oh non, ikaonekana. 10 ans. Kusema. Va à Tucson. Wende Tucson. Il y aura un grand bruit à ce moment-là. Takuwa fujo kubwa hapo wakati. Et tu comprendras pleinement. Na utaelewa lote kabisa. Et tu sauras que cela est envoyé. Na utajua kama ile imetumiwa. Cela secouera presque la terre. Ile tatingiza dunia mzima. Vous tous êtes au courant de cela. Nyinyi wote mnajua ile. C'était sur bande des mois avant que cela n'arrive. Ilikuwa katika tempi mbele ile ifikie. Et c'est arrivé là. Na ile ilifikia kabisa. C'est un changement du ton de la symphonie. Ni wakati wa kubadilika kwa mudundo. Mambo inabadilika. La façon d'adorer Dieu a changé. Hali ya kuabudu Mungu ilishabadilika. La façon de prier a changé. Hali ya kuomba
ilisha badilika. Vous réclamez vos droits. Apa, ukuna dai haki zako. Vous devenez vous-même le créateur de vos besoins. Unakuwa mwenyewe mumbaji wa itaji yako. Parce que le temps de la symphonie a changé. Kwa sababu wakati wa udundo umebadilika. Et une fois il a parlé du troisième pôle. Na wakati mmoja alisema juu ya uvuto tatu. Que cela deviendrait déjà d'une façon. Kama ile itakuya mhali moja. Et ensuite en connaissant le cœur. Na kisha kujitambua mioyo. Et après la parole parlée. Kisha pale kutakuwa neno iliyonenwa. Nous sommes arrivés dans la dimension de la parole parlée. Tumefikia mkiwango kia neno iliyonenwa. Dieu n'agira plus à la place de quelqu'un. Non. Mungu hata tumika tena fasi ya mtu. Hapana. Seigneur. Mutu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Bwana nipatie kila kina kile. Il vous dira je n'ai rien à faire. Asema miangu sina mambo mabile biote. Tu es là. Uko pale. La colonne de feu est là. Nguzo moto iko pale. L'ange est là. Malaika iko pale. Le prophète est là. Nabii iko pale. Ce sont ces trois choses qui nous rendent forts. Ni bile bitu bitatu je tulifanya watu wenye nguvu. Si vous croyez seulement ces trois choses là. Kama kamini bile bitu bitatu tu. Demandez ce que vous voulez. Lomba kitu kinapenda. Prononcez la parole. Sema neno. Branham dit le monde a été créé par la parole parlée. Branham anasema neno dunia iliumbwa kupitia neno liosemwa. Il n'y avait pas de lumière auparavant. Mbele kuka nuru. Mais Dieu a prononcé la parole. Kiri Mungu alisema neno. Que la lumière soit. Na nuru iwe. Écoutez-moi. Sikiliza. Quand la parole a été prononcée par Dieu lui-même. Wakati neno litangaziwa na Mungu mwenyewe. Branham dit la lumière n'est pas sortie le même jour. Branham anasema neno nuru haikutokea ile ile siku moja moja. C'est là la faiblesse des croyants aujourd'hui. Ile ndio udhaifu waaminifu leo. Lorsque vous prononcez la parole, unasema neno. Croyez que la chose va arriver. Amini kama kitu kitafikia. Persévérez. Kankamana. Comment ça va venir? Ce n'est pas ton problème. Aina tena mambo yako ile bwana. Tu as parlé. Branham, tu veux les écrire? Bien sûr. Dio. Tu en veux combien? Trois, quatre. Un sort ici, l'autre ici, l'autre là-bas. Comment ça va apparaître? Ce n'est pas le problème de frère Branham. La parole est sortie. La parole est déjà parlée. Il attend l'accomplissement. C'est là où nous sommes. Lorsqu'il nourrit 5000 personnes. Wakati alilisha watu 5000. Kati il fait. Alifanya nini? Il a pris quelque chose qui a existé comme de l'eau. Akachukua kitu moja kilikuwaka zamani kama il a pris un poisson. Maji. Akachukua samaki. Une fois à nager. Na mara moja samaki ilikuwaka cha neuf. Aka qui est né de neuf. Il tokea katika liyai. Il a brisé. Na akaivunja. Na omega. Poisson a crié sur la création. Na qui était la création originale. Na ile sababu ikatokea mkiumbile ilikuwa kiumbile kia kawa. Il a pris des cassis. Akachukua mkaka qui était une fois du bleu. Ilikuwa mara kwanza qui était une semence. Ilikuwa kabisa mbegu. Qui est devenu du pain. Nikakuwa pale mkate. Et Jésus a brisé ce pain. Na Yesu akachukua mkate huo. Et la création s'est simplement multipliée. Na umbaji tu pale ukazidishwa. Mais lakini dans les bois katika miti il n'y avait là-bas rien pour faire un écureuil. Hakukua kitu hata moja ile tezi leta kio ile chimbi. Fellowship Tabernacle applaudissez cette écriture. Fellowship Maskani. Shangilia hii neno. Jésus a changé de l'eau en vin. Yesu alibadilisha maji kwa mvinyo. Bien sûr. Dio. Mais l'eau existait auparavant. Si maji ilikuwa mbele. Il n'a fait qu'un changement. Une transformation. Jésus a multiplié les pains. Oui. Dio. Avant que l'on fabrique des pains. Bele mukate. C'était du bleu. Il fallait que cela broye. Pour fabriquer du pain. Donc d'une création à une autre création. Kiumbele, kiumbele, kiumbele. Lakini katika miti, mule mumiti. Dans la forêt là-bas. Mule mupori. Il n'y avait là-bas rien pour faire un écureuil. Et que cela soit. Et cela fit sans qu'il y ait quelque chose d'où cela puisse provenir. Qu'est-ce? Ni. Le même Jésus-Christ. Voyez-vous? Vous ferez
des plus grandes choses que celle-ci. Mutafanya bitu kuba kushinda hii. Car je m'en vais au Père. Wasaba mina ena kubaba. Non pas prendre quelque chose qui était créé et le briser, et ensuite multiplier la création. Apana kuchukua kitu kya kwanza kiwa kisha umbika kisha unakimega unakizidisha. Mais absolument créé. Lakini kumbiwa kabisa kabisa. Maintenant qu'il est le même Jéhovah qui s'est tenu là et a dit que cela soit. Sasa vile kwa Yehova moja moja aliyesimama pale na kusema ikuwe. Et cela fit. Na ile kakuwa. Sa parole a été manifestée. Na neno lake kionekana wazi. Lorsqu'il était fait chair sur la terre. Wakati alifanyika mwili kudunia. Il a pris sa création originale. Akachukua kiumbile kake cha ndani. Il a brisé. Akakimega. Il a multiplié. Akakizidisha. Mais like maintenant. Hapa sasa. Dans les derniers jours. Wakati wa mwisho. Lorsqu'il revient parmi nous. Wakati narudia katikati la yetu. Même lumière. Ile nuru moja moja. Il est descendu. Iyo iyo shuka. Et a dit que la lumière soit. Ikasema nuru ikue. Il appelle simplement la création à l'existence. Hapa leo anaita tu kitu kikue. Vous ferez les plus grandes choses. Utafanya vitu vikubwa vikubwa. Et celle-ci. Ushinda hii. Car je m'en vais à mon Père. Naenda ku baba. Branham me dit souvenez-vous. Branham anasema kumbuki. Nous sommes en ce moment là. Tuko kwa ile wakati. Nous sommes au moment de la parole parlée. Tuko kwa ile wakati wa neno. Nous sommes au moment où nous devons appeler les choses à l'existence. Tuko kwa ile wakati tunapaswa kuita vitu vikuwe. Nous sommes arrivés au moment où chacun de nous doit devenir un créateur. Tuko mu wakati kila mmoja wetu anapaswa kuwa muumbaji. Amen. Vous ferez de plus grandes choses. Souvenez-vous. Nous sommes en ce moment-là. Il a dit. Je suis la lumière du monde. Et qui parle ici? Jésus. Yesu. Un homme. Mutu. Donc la lumière c'est une personne. Nuru ni mutu. Jésus a dit. Je suis la lumière du monde. Yesu alisema mie niko nuru ya dunia. Un homme qui se dit être la lumière. Mtu anajiita kuwa nuru. Je peux avancer? Songa mbele. Est-ce que je peux avancer? Naendelea mbele. Il a dit je suis la lumière du monde. Akasema mimi ni nuru ya dunia. Bwana me dit amen. Bwana anasema amen. C'est vrai. Ni kweli. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ule ule chana leo na hata milele. Il est toujours la lumière du monde. Na iko kila wakati na kila siku nuru ya dunia. Et qu'est-il? Na yini sasa pale. Au commencement était la parole. Hapo mwanzo kulikuwa neno. La parole était avec Dieu. Neno lilikuwa na Mungu. Pourquoi était-il la lumière du monde? Kwa nini? Ah, suivez maintenant parce que je m'en vais vers la fin. Sikia sasa hapa vizuri. Pourquoi Jésus était-il la lumière du monde? Kwa nini Yesu alikuwa nuru ya dunia? S'il est venu. Kama alikuja. Et qu'il a dit qu'il était le Messie. Na akasema alikuwa Masia. Et s'il ne faisait pas ce que la Bible disait que le Messie devrait faire, na bila kufanya kile Biblia inasema Masia atafanyaka, alors il n'était pas la lumière du monde. Sasa pale hakukua nuru ya dunia. Pour être la lumière du monde, kusudi il doit appliquer le signe du Messie. Nuru ama mwangaza wa dunia inalomba afanye ile alama ya Masia. S'il n'applique pas le signe du Messie, il n'est pas la lumière du monde. Ile nuru alama Masia haiko nuru ama mwangaza wa dunia. Vous voyez? Unaona? C'est la parole confirmée qui en fait la lumière du monde. Ni neno iliyo hakikishwa ndio inafanya kwa nuru ya dunia. Paragraphe 250. Kifungo 215. Je m'en vais pour citer. Naenda kumaliza. Et dans cette heure dans laquelle nous vivons maintenant. Na maikizazi ama wakati tuko naishi hapa sasa. La parole confirmée de cette heure si neno iliyo hakikishwa ya hii wakati. Les pentecôtistes. Kipentekosta. Vous dites de parler en langue. Wa pentecôtistes mnasema kusema kwa lugha. Ça c'était pour c'était le jour de la Pentecôte. Ilikuwa juu ya siku ya Pentecôte. C'était la lumière de l'heure en ce moment-là. Ilikuwa nuru ya wakati kwa ile siku. Ceci. Lakini hii est un autre jour. Hii ni siku ingine. Il est la lumière de l'heure aujourd'hui. Iko nuru ya wakati wa leo. Est-ce que je peux dire quelque chose? Inaweza sema kitu moja pale. William Branham. William Branham. Est la lumière du monde en ce moment. Yeye ndio nuru mwangaza wa dunia leo. L'ange de la lumière. Malaika wa nuru. Aujourd'hui. C'est William Mario Branham. William Mario Branham. Eh idi. Nana sema. Église. Kanisa. Sois éclairé. Mwangaziwe. Votre lumière est arrivée. Kwa sababu nuru yenu imefika. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Mko tena mugiza. Vous êtes dans la lumière.
lumière, la lumière de l'évangile, la lumière du jour, et notre jour est apparu. La lumière du monde, c'est William Branham qui a appliqué le signe du Messie vers le soir. La lumière paraîtra dans d'autres terres. Du côté du soleil couchant, Branham viendra pour apporter la lumière dans le monde. La lumière du monde, c'est William et Marion Branham. Si Jésus, au commencement, du côté de l'Est, il était la lumière du monde parce qu'il a appliqué le signe du Messie au temps de la fin. La lumière du monde, c'est William et Branham. L'homme que Zacharie parlait là, c'est Branham votre prophète. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez en cela? La lumière du monde. Nous ne parlons pas de la lumière du soleil. La lumière, c'est un homme qui va répandre la lumière. Et la lumière aujourd'hui, c'est William, Marion, Branham. Si vous suivez comme la force, vous croyez le message de Branham, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière. Soyez éclairés, soyez éclairés, soyez éclairés. Un nouveau jour, un nouveau jour, la symphonie a changé. La façon de prêcher a changé. La façon de chanter a changé. La façon de prier a changé. Avec la parole parlée, vous priez même les yeux ouverts. Parce que le temps a changé. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir debout. La lumière du soir est venue pour nous éclairer. Et cette lumière.